Le centre hospitalier universitaire de Kara a réceptionné ce mercredi un important don de matériels médicaux. Ce don qui est à mettre à l'initiative de l'ONG Centre d'action et d'études pour la promotion des initiatives communautaires CAPIC s'inscrit dans les actions de l'ONG et de sa finalité. La finalité de CAPIC, c'est le bien-être des populations, le bien-être et l'épanouissement et la santé. Concourt beaucoup à ce bien-être et CIAPIC intervient au moyen de dons en nature, soutien financier, d'actions de sensibilisation, de formation. On accompagne les initiatives de terrain et c'est une demande de terrain que d'équiper le CHU de Kara. Nous intervenons toujours en collaboration avec les institutions humanitaire, international, mais aussi aux côtés des services de l'État, des autorités locales. Et c'est ainsi que nous souhaitons contribuer au bien-être des populations. Aujourd'hui, c'est le début d'une collaboration aussi avec d'autres institutions parce que nous souhaitons étendre l'action de l'ONG sur tout l'ensemble du territoire. Du côté de l'administration du CHU de Kara, c'est un sentiment de satisfaction car ce don vient à point nommé. Je suis très heureux, je suis content parce que j'ai beaucoup de lits qui sont en mauvais état. J'ai déjà fait le point dans les différents services et ces lits sont déjà répartis. Donc ces lits vont améliorer le confort des malades qui seront hospitalisés. C'est de leur dire un sincère merci et leur promettre un usage rationnel de ce matériel que nous venons de recevoir. Et nous allons être en contact permanent avec eux et leur témoigner comment le matériel est utilisé. En ce moment, ils seront convaincus pour d'autres dons futurs. Estimé à 18 millions de francs CFA hors acheminement, ce don est composé de 40 lits d'hospitalisation électrique, 3 fauteuils roulants, 4 fauteuils coquilles, 17 tables de cheveux de lit, 1 déambulateur, 1 pèse-personne et 2 fauteuils royaux.